قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، قال سبحانه وتعالى في سوره البقره: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الايه: ايها المؤمنون، ان القران الكريم هو كلام الله منزل، معجزاته خالدة وحجته دامغة، جعله الله منار للمهتدين والمعجزة الباقية إلى يوم الدين، مهيمنا على ما قبله من الرسالات والشرائع، فهو الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، من تمسك به كان له رفعة وكرامة وإزة، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. عباد الله، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن بقوله: الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فاشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فاشفعني فيه. فيشفعان أخرجه أحمد. عباد الله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه، ولا تكن وهم احدكم اخر الصور. اخر الكلام. عباد الله، وصفت الاحاديث وادعيه الاسلاميه شهر رمضان باسماء متعدده، يدل على أجمعها على عظم هذا الشهر المبارك. ومن هذه الأسماء سمى شهر رمضان: شهر الصيام، شهر النزول القرآن، شهر التلاوة القرآن، شهر القيام، شهر الصبر، شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر الاستغفار، شهر الدعاء، شهر الإبادة، شهر البركة، شهر المواساة. قال سبحانه وتعالى: أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وجه الله سبحانه وتعالى Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, le Khutba nous interpelle envers la crainte. Et c'est ça que Allah a conseillé les premiers et comme les derniers, en disant: certes, j'ai conseillé ceux qui ont reçu les livres avant que les musulmans, de me craindre moi, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse dans le surat al-Baqarah, verset 185, à la dit: Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah dit: voilà le mois de Ramadan, c'est dedans qu'on a fait descendre le Qur'an. Hudan linnas, c'est une guide pour les gens. وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى، et ça vient éclaircir la voie de la guidance.
والقرآن القرآن vient de distinguer entre la vérité et le mensonge. Chers frères, chers sœurs à l'islam, on nous dit le Coran que nous voyons, Kalamullah, c'est la parole divine. Munazzal est ce Dieu qui a fait descendre le Coran. Voilà pourquoi Mujizatu Khalid, le miracle que le Coran contient est éternel. C'est-à-dire, pas de limite. Wa hujjatuhu damiqa. Et le preuve que le Coran contient est continuel, ne finit jamais. Allah fait que le Coran, c'est une guide qui oriente ce que Dieu a guidé. Mu'jizatul baqiyatun ila yawmiddin. Et le miracle du Coran va rester jusqu'à le jour de la rédemption. Chaque jour que Allah te réveille, quand tu médites le Coran, tu vas voir le miracle de Allah dans tes propos. C'est-à-dire dans les propos d'Allah. Et quand tu aimes ça, tu travailles avec ça, tu vois le miracle à cette personne. Et c'est comme ça le miracle du Coran a entouré le monde entier. Coran, Muhaiminan ala ma qabla min al-risala wa shara'i. Coran est venu envahir tous les livres qui étaient là. Tous les lois qu'il a, Allah a regroupé tout, il a mis dans le Coran. La loi de Abtaura, Injil, Zabur, Soufi, Moussa, Ibrahim, Allah il a regroupé tout, il a mis dans le Coran, il a appelé ça Muhaimin. Fahoua Bouddha, le Coran c'est une guide. Wanou, le Coran c'est une lumière. Washifa, le Coran c'est une remède. Les mains puis soudo, ça sont les maladies qui sont dans le poitrine. Mantama Sakabi. Celui qui a attrapé le Coran, كَانَ لَهُ رَفَعَةً وَالْكَرَامَةً وَالْإِزَّةً. Toute personne qui a attrapé le Coran, Allah il va te lever au-dessus des autres. Karama, Allah il va te agrandir. وَالْإِزَّةً. Et Allah va te donner certains pouvoirs en l'air qui dépassent tout le monde à travers le Coran. Voilà pourquoi وَمَنْ أَعْرَدَ أَنُ. Toute personne qui a tourné au dos, il s'en fout du Coran. Sans l'écouter, sans pratiquer le Coran, sans apprendre le Coran, sans rester même là où on parle du Coran. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. La personne arrive au Malkiyama, il y a plein de fardeaux au-dessus de lui des péchés qu'il a ramassés. Parce qu'en écoutant le Coran, c'est là que tu peux savoir le bien et le mal, d'éviter le mal, de faire du bien. En écoutant le Coran, c'est là que tu vas voir la voix que Allah y veut et la voix du diable. Tu évites la voix du diable, tu prends pour Allah. Mais quand tu n'écoutes pas le Coran, tu arrives au Malkiyama, tu as plein de fardeaux sur toi. Wasa Allah ou au Malkiyama, tu himla. Allah dit. C'est devenu malheur ce que tu as transporté, tu as amené au Malkiyam. Voilà pourquoi notre cher aimé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un propos, le prophète a remis deux choses. Il les a remis dans le même contexte et il a parlé leur bonheur, leur utile, selon ici et l'au-delà. Le prophète Mohammed, il dit, il a regroupé le Coran, le jeûne et le Coran dans le même contexte. Je cite le prophète a dit, Asiyam, le jeûne, ou le Coran est lecture des cinq Corans. Tu as vu comment le prophète il a appelé? Il a dit Asiyam, le jeûne, ou le Coran est lecture des cinq Corans. Yashba'ani. Les deux, ils vont demander Allah pardon pour les serviteurs, intercesseurs les serviteurs devant Allah. Le prophète il commence à nous expliquer maintenant. Il dit pour le siam, le jeune va présenter devant Allah. Il va dire Ayyub, oh Allah, mon créateur. Cet homme,
Manatuhu ta'amu wa shahwatan. Moi, le jeune, il m'a respecté, il a gêné. À cause de moi, il ne mangeait pas dans la journée. Shahwatan. Et il ne réalise pas son désir avec sa femme légale dans la journée de Ramadan. Respectez-moi le jeûne. À cause de ça, Allah, je viens, Fayeshfa Ali, qui je viens de te demander, pardonne-lui à cause de moi. Le jeûne dit, Allah, pardonne cet homme. Faut lui pardonner. Quand le jeûne va finir, le Coran aussi va venir devant Allah. Le Coran aussi, il va dire, Allah, cet homme, je l'ai empêché le sommeil la nuit. La nuit, il prenait toute la nuit, mais c'était le Coran. Il ne dormait pas. Pour cela, Fayez pas à l'équipe. Allah. Je viens intercesser à son faveur. Allah les tout miséricordieux accepte le dé intercession, celle de Dieu que le Coran, Allah va dire Fayeshfa Ali, je lui pardonne. Coran a sauvé la personne, le jeûne de Ramadan a sauvé la personne. Dans un paradis, ce que nous allons tirer le son dedans, que dans ce mois, c'est le mois du Coran. Quand nous gênons, avec chose que nous allons accompagner dans tout jeûne, c'est lecture des cinq Coran. Si tu ne peux pas lire, il faut écouter. Mettez le Coran dans vos voitures, dans vos taxis, ne mettez pas la musique. Mettez ça dans vos boutiques, ne mettez pas la musique. Mettez ça au lieu que vous vendez, mettez ça dans vos maisons. Écoutez ça dans vos portables. Celui qui peut lire, Afdel, c'est plus meilleur. Moi, Aska est plus aimé. Lisez le Coran. Dans ce mois, c'est le mois qu'on a révélé le Coran, on a descendu tout le Coran. L'ange Jibril, quand Ramadan arrive, il vient enseigner le prophète Mohammed le Coran. Celui que le professeur et le prophète est élève. L'année que le prophète va abandonner Dunia, l'ange Jibril, il est venu deux fois pour enseigner le prophète Mohammed. Voilà pourquoi quand le Ramadan arrive, tout le monde. Lecture, tradition, lecture, tradition du Coran. Quand nous parlons de lecture de Saint Coran, il y a mon frère aimé, respecté, qui aime Allah et son prophète. Il va dire, oh, au sage, moi je ne connais pas tout le Coran. Je connais seulement Sami Isma Rabbika A'la jusqu'à Nas. Mon frère, tu connais beaucoup. Tu connais beaucoup. À chaque moment, tu commences par Sami Isma Rabbika A'la. Tu finis, tu attends Dashia. Tu finis, tu attends Balad. Tu finis Fajr. Tu descends comme ça jusqu'à Nas. Tu as fini, tu remontes encore. Tu finis, tu descends. Yom al-Kiyama, Allah te donne récompense comme tu as lu le Coran. Hadith est là authentique. Le prophète a dit Hatta Surat al-Ikhlas. Toute personne qui a lu Surat al-Ikhlas une fois, on te donne comme tu as lu un tiers du Coran. Quand tu lis ça trois fois, on te donne récompense comme tu as lu le Coran entier. Et après, il faut la deuxième fois qu'il va aller sur la Torah jusqu'à sur la Torah, tu connais beaucoup. Toi, tu connais depuis Nas jusqu'à Amayat Asa Aluna, tu connais beaucoup. Toi qui connais moitié des Coran, lisez le Coran dans le monde de Ramadan, chers frères. Avant que Ramadan finisse, toi qui connais tous les Coran, il faut que tu aies fini le Coran, si tu peux. Mais ce n'est pas fini, on lit ça vite, vite. On va parler de ça, que Dieu nous pardonne. Ibn Mas'oud nous dit, quand Abdullah Ibn Mas'oud dit, Abdullah ibn Mas'ud nous dit écrans au Coran et lisez le Coran. Wa harriku bihi al-qulub. Il a dit lisez ça pour que votre cœur tremble. Lisez le Coran et ça tremble votre cœur. L'imaner le Coran que votre cœur sera tremblé. Wa harriku bihi al-qulub. Il a dit waqifu inda ajaibi. Partout que tu vas arriver, Allah parle des miracles du Coran. Arrête. Il parle d'histoire qui est passée entre Moussa et Pharaon. Il parle d'histoire qui est passée entre Ibrahim avec les gens qui l'ont lancé dans le feu. Il parle d'histoire comment qui s'est passé entre Pharaon et sa femme Asia. Il parle d'histoire comment Mariam a été couchée l'enfant sans garçon. Quand tu arrives là où il y a les Ajaïbs,
Wakifu, arrêtez-il le dire. C'est comme ça que Ibn Mas'ud nous a dit. Peut-être quelqu'un va me dire, mais qui est Ibn Mas'ud? Le prophète a dit, celui qui délit le Coran, il ne cale ça à la voix de Ibn Mas'ud. Oui. Quand le prophète a qualifié quelqu'un, il faut savoir que c'est depuis cette semaine la qualité. Oui. C'est ça qui c'est celui qui s'appelle Ibn Mas'ud. C'est à cause de ça, parmi cette histoire de cet homme, un jour il est monté sur l'arbre. Les gens habillent ses pattes. Les gens commencent à monter. Le prophète a dit, vous riez pas. On dit, regardez comment ses pattes sont petites, mince. Il a dit, ne riez pas, les deux pattes là. Sont mis ça dans le balance. C'est plus lui qui dépasse une montagne au côté. C'est des hommes. Celui qui s'appelle Ibn Mas'ud. Yamushuna ala wadi il abdel wal Quran yamushuna ma. Il marche, mais c'est le Quran qui marche. Et là, ils ne sont pas contre nous, là. Et il lit le Quran et tu vois le Quran sur eux. C'est comme ça qu'ils étaient. Celui qui nous dit, lisons le Quran, faire trembler votre cœur avec le tout du Quran. Il a dit, arrêtez partout, le Quran parle de miracles, arrête. Et il a dit, voilà, yakun hammu ahadukum. Il a dit, quand vous lisez le Coran, il ne faut pas que le souci de quelqu'un a fait le surah. Comment je vais finir le surah? Il dit, ce n'est pas ça qui est l'objectif. Certains disent que quand le Coran, il veut qu'il dit dans le Ramadan, j'ai fini le Coran 10 fois, j'ai fini le Coran 4 fois. Il a dit, ce n'est pas ça qui est l'objectif. L'objectif, attendre pour Walfaham, méditer, et chercher à connaître. Je lis tel verset là, je tire quoi dedans? Le verset me parle comment? Ça, c'est la parole de Ibn Mas'ud. Chers frères aimés, tellement que notre moi que nous sommes dedans, le mois de Ramadan, c'est tout le mois qui est lourd. Wasaf al-Ahadisu wa ad'iyatul islamiyya avec les Ahadis, avec beaucoup de droits islamiques, ils ont amené des noms qu'on a attribués au Ramadan. Chahar Ramadan. Asma, Muta'adilal, des noms, qualité qu'on a attribué sur moi. Le premier mois, Chahar Ramadan. On a appelé ça Ramadan selon la manière qu'on nous a expliqué à l'école. Parce que ce moment, quand ça arrive, les Arabes, ils gênaient dans les difficultés. Voilà le soleil. Vous savez, là-bas, ça peut arriver, c'est quand c'est plus décrit. Il fait chaud, voilà faim, voilà soif. Tellement que c'est dur, on a nommé ça Shahar Ramadan. Deuxièmement, on appelle ça Shahar Siyam, le mois de jeûne. Dans la vie de tout musulman, il n'y a pas le moment que tu peux gêner un morceau dans le mois du Ramadan. Sauf celui qui a fait la kafara. Kafara aussi un moment, deux mois successifs, un moment, trois jours, un moment, 10 jours. Ça dépend des quatre kafara. Mais le mois qu'on jeûne tout le mois, c'est Shahar Ramadan. On appelle ça Shahar Siyam, le mois des jeûnes. De troisième, Shahar Nuzul le Coran. On appelle ça le mois qu'on a fait descendre le Coran. Quatrièmement, on appelait ça Shahar Tilawat al-Qur'an. Le mois qu'on doit lire, on lit, le mois de lecture de Saint-Coran. Cinquième, on appelait ça, quatrième affaire, on appelait ça Shahar al-Qiyam. Le mois de Qiyam, le mois que l'homme a pris beaucoup la vie de Wuhan. Sixième, on appelait ça Shahar Sobor, le mois de la violence. Parce que nous tous qui sommes là, ce n'est pas avec la violence, ce n'est pas facile. Tu as faim, tu as soif, voilà le soleil, voilà la fatigue, mais tu regardes Allah, tu supportes. C'est le mois de la violence. Septième, on appelait ça Shahar Tauba, le mois de repentation. Vous voyez comment les mosquées remplies.
Vous voyez que Tarawih, ça rentre, vous êtes dans les quartiers. Il y a certains, même les musulmans qu'on ne connaît pas, ils sont dans les quartiers. Mais dès que le monde arrive, la mosquée rentre, tout le monde a repenti, revient auprès d'Allah. Allah fait de ce que ça soit repentance sincère. Huitième mois, on appelle ça Shahr Rahma, le mois des miséricordes. Ce mois-là, les miséricordes qu'Allah met sur la tête, ça là, sont mal qui connaissent. Neuvième mois, Shahar al-Istighfar. C'est le mois des Istighfar, de faire Istighfar beaucoup. Demandez à Allah, Astaghfirullah beaucoup. Dixième, Shahar al-Dua. C'est le mois des vocations. Parce que le mois-là, quand tu soulèves la main, ton doigt ne tombe pas. Vous avez compris? Profitons. Chaque heure, chaque moment, chaque minute, chaque lieu, jusqu'à le coucher du soleil, quand tu fais droit, ton doigt s'éteint. Maintenant, ça vous défait droit ce que vous voulez. Alors, donne la compréhension. Avant-hier, on a interrogé quelqu'un. On dit si c'est aujourd'hui qu'on t'a dit tu vas mourir. Dans ce moment, qu'est-ce que tu vas demander à Allah? Et de lui, il ne va pas mourir. Le monsieur a dit, azimantons. C'est la légende. Si tu veux que tu devais mourir, tu devais demander à Allah quoi? Il dit, il va demander à Allah l'argent, les enfants, la santé. Le monsieur qui l'a posé la question, il dit, si moi on m'a dit que je vais mourir, je vais demander à Allah de me donner paradis. Et l'autre a répondu que lui ne demande pas paradis, c'est quand il va mourir. C'est ce qu'il ne sait pas, tu es déjà mort, tu vas demander où encore. Que Dieu nous donne la compréhension. Ça peut être simple, dans notre douaou là, vous savez, aujourd'hui, beaucoup, majorité de chez, beaucoup leurs douaou, ils ont vu le paradis. Ils ont vu la guidance. Les seuls chefs qui demandent à Allah, l'argent. Je veux visa de tel pays, l'argent. Je veux visa de tel pays, c'est bon d'avoir l'argent. C'est bon d'aller l'aventure. Mais demande à Allah que Dieu te guide, que Dieu te donne paradis. Onzième nom, on appelle ça Shahr al-Ibada. C'est le mois de l'adoration. Vous voyez comment tout le monde adore Allah. C'est le mois de l'adoration. Douzième nom, on appelle ça. Treizième nom, on appelle ça Shahr al-Baraka. C'est le mois des bénédictions. Ce mois-là, c'est la bénédiction seulement qui descend. Quatorzième nom, on appelle ça. Ou quinzième, on appelle ça Shahr al-Muasa. Le mois des partages. Ce mois, on ne veut pas quelqu'un faire la part. Tu as 500, donne quelqu'un 200, tu manques 300. Tu as 1000 francs, partage quelqu'un, tu lui donnes 500, tu perds 500. Tu as payé 4 bananes, donne quelqu'un 1, toi tu déposes 1, tu manques 2, tu donnes quelqu'un aussi 1. C'est comme ça. C'est l'été, il faut partager, quelqu'un tu lui donnes. Ce mois, c'est le mois des partages. C'est à cause de ça que vous voyez beaucoup les mosquées, on a des outils qualité, qualité, les gens viennent couper les carrés. Vous qui mangez, après de finir, je faisais gloire à ceux qu'ils amènent. Ils ont beaucoup de côtés de gloire. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sunnah, si quelqu'un fait du bien, il dit barakallahu fika wa jazakallahu khayran. On le fait gloire. La connaissance, c'est le mois des partages. Toute personne qui peut aider son frère, celui qui peut aider sa soeur, aidez-la. Vous que Dieu a facilité, vous que Allah vous a facilité, vous avez les moyens. Aider les autres. Aider les autres. Un paquet de sucre, un sac de riz, avec l'huile. Voilà, tu amènes quelqu'un, tu l'as sauvé. Allah, il te donne une grande récompense. La date que tu vas donner à quelqu'un, l'air que tu vas donner à quelqu'un, le thé que tu vas donner à quelqu'un, Allah, là, tu l'as aidé. Les 5 000 que tu vas aider quelqu'un, les 10 000 que tu vas aider, une veuve, un orphelin, un malade, un homme déjeuner, Alhamdulillah, c'est le mois qu'on doit partager. Nous demandons à Allah d'accepter notre péché. Que Allah pardonne nos péchés. Que Allah nous mette sur la voie. Que Allah subhanahu wa ta'ala tracé qui nous amène le paradis. Nous sommes des faibles. Nous sommes des malades. Que Dieu nous donne la santé. Ya Rabbi, voilà, nous on vient de finir 10e. Les 10 de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui même le 12. Si je ne me trompe pas. Vous voyez comment ça finit? C'est à nous de demander à Allah que Dieu nous place parmi ceux que Allah va accepter leur péché. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allahumma salli ala Muhammadin
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم أنت قيوم السماوات والأرض، أنت ربنا، أنت خالقنا، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم استر عيوبنا، وفرج قلوبنا، وكل حوائجنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. Nous demandons à Allah de tout miséricordieux de pardonner nos péchés, d'accepter notre jeûne de Ramadan, d'accepter notre droit, d'accepter notre prière. Ya Rabbi, on te demande de la santé, augmente-nous la santé. Ya Rabbi, on te demande de la sincérité, accorde-nous la sincérité. Les frères, les sœurs des musulmans, dans ce mois béni, qui sont dans les difficultés, qui sont éprouvés par Allah, Allah donne-leur la porte de sortie. Ceux qui cherchent la santé, accordez-leur la santé. Ceux qui cherchent certaines choses qui sont du bien, Allah, il faut les accorder. On a perdu beaucoup de frères et de sœurs qui sont morts. Ya Rabbi, c'est toi qui les pardonnes. Apporte-toi tous nos parents, accepte-les dans ton paradis. Et nous aussi qui sommes là, Ya Rabbi, Allah, donne-nous l'invité qui est béni. Il faut nous donner aussi bon fin. Alors nous te demandons, nous sommes des travailleurs, mets le baraka dans notre travail. Nous sommes des commerçants, Allah, mets le baraka dans notre commerce. Dans nos familles, dans nos enfants, que Allah tu mets le baraka. Alors nous te demandons ce pays Gabon, bénis ce pays Allah, agrée ce pays, les gens qui dirigent ce pays, Allah il faut les soutenir, tiens dans la main, oriente-les le bonheur, oriente-les la foi, et il faut les soutenir dans tous les biens qu'ils prennent. Alors nous te demandons les autres pays qu'il y a des conflits, que Allah amène la paix. On demande à Allah d'amener la paix. Notre cher pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Guinée, tous les pays que nous n'avons pas cités, qu'on a cités, qu'Allah amène la paix à Rome. Nous demandons à notre pays Israël, Gaza, qu'Allah amène la paix à Gaza. Allah, il faut soutenir les familles qui sont dans les Gaza. On les a bloquées. Ils n'ont pas à manger. Allah, il faut les donner à manger. Ils n'ont pas à boire. Allah, il faut les donner à boire. Ils sont malades, ils n'ont pas, on ne les soigne pas, il faut les soigner. Alors, sois à leur secours, Ya Rabbi. Tout le monde a abandonné Gaza. Mais toi, Allah, tu n'abandonnes pas Gaza. Allah, il faut soutenir Gaza. Il faut sauver les gens, les musulmans qui sont dans ce pays. Ya Rabbi al-Alamin. À la fin, chers frères, mon grand imam, mon papa, et il nous a informé. Il y a un monsieur qui est tombé là-bas, un papa. On l'a amené à l'hôpital. On n'a pas l'habitude d'annoncer comme ça. Mais nous sommes dans le mois béni, chers frères. On doit sauver les vies, on doit aider. Ça veut dire sa fille, ça vient encore pas demander aujourd'hui. On demande pour la mosquée, on demande soutien de ce monsieur. Quand on gagne beaucoup, on partage, on amène certains, on donne les gens, on va soutenir pour sauver la vie de ce papa. Alors que l'imam m'a dit, il est à l'hôpital militaire, il est tombé, il est chuté. C'est un musulman. Le bonheur de l'argent, c'est ça. Ça veut dire ça. Après tout le monde, on va vous demander, fils Abila, c'est des intentions pour la mosquée et pour soutenir ce papa. Barakallahu fikoum. وجزاكم الله خيرا قوموا الى الصلاه